le fils de mon ami Tancha. Lui, il vit en Croatie. Pourquoi tu me fais ça? Je n'ai jamais vu ton gars ici. Je n'ai jamais vu. Viens mon gars, chaque fois que tu veux venir te voir, tu renvoies toujours les rendez-vous. Je m'appelle Oxygène, le beau gosse. Tu avais fait la SIDA? Oh mon chéri, trop mignon. Oh. Aïe! Un laitier pavé les bosses partout sur la face. Je sais pas que ma fille est dark hit. Ce que le gars l'a fait le remettre. Et en passant sur les 150 motos que j'ai là, tu vas gérer 50, gérer ça. J'ai pas vraiment besoin de ça. Je sais déjà que tu m'aimes, mais ça me suffit. On ne dit jamais non à un preneur d'otage. Que personne ne bouge. Mais toi-même, tu étais naïf. Comment quelqu'un peut arriver chez toi pour arracher enlever ta femme? Il prend le fusil, il te tient, pour il prend le pistolet, il te tient. Parce qu'il a la cagoule. Non! Tu pars, tu enlèves la cagoule sur sa tête, tu regardes son visage, tu remarques son visage, tu remets sa cagoule. Après, maintenant, tu viens. Maintenant, on ne connaît même pas sa face. Bien, à Boya. Bon, ne t'inquiète pas. Tu es avec toi le plus grand négociateur. On combine pour le mieux et terrain zantien. La sentinelle. Et il t'a donné à manger. Il t'a donné le yaourt. Il t'a donné l'eau. Non. Il t'a donné le waouh. Non. Il t'a donné le corps. Non. Même le corps. Ah, Pierre, ça c'est le quoi ça? Pourtant, c'est les gens là-bas qu'on kidnappe quelqu'un. On donne les waouh, on donne à manger, on donne les sandwichs, on donne les bonbons et tout ça, tout ça. Et si là vous ne donnez rien, mais vous demandez une telle somme, vous avez dépensé combien, Julien? Papa, tu dois me féliciter, mais Tora. Je mérite une distinction honorifique. Oui, j'ai négocié, j'ai pu éviter la partouche.